La comilogue et l'employabilité des jeunes. La comilogue exploite le manganèse sur les plateaux de Bangobé et d'Okuma à Moanda. L'employabilité des jeunes est l'un des axes forts de la politique volontariste de la comilogue en matière de RSE. En entreprise responsable, engagée dans le développement durable, la comilogue a lancé des programmes de soutien à l'éducation et à la formation qui passent par la rénovation récente de plus de 100 classes dans 13 écoles à Moanda, Bakumba et Munana. Et la modernisation du lycée technique Fulbert Bongota et du lycée Rigobert Landji de Moanda. Outre la réfection des infrastructures, ces travaux ont permis de doter le plus grand lycée de Moanda d'une salle multimédia, équipée de 20 ordinateurs avec un accès Internet haut débit. Plus de 9600 élèves de la localité bénéficient désormais de meilleures conditions d'apprentissage grâce à un environnement de travail sûr et un accès à des outils numériques performants. La comilogue subventionne intégralement depuis 50 ans le groupe scolaire Henri Silvoz qui compte 1450 élèves du pré-primaire à la terminale. Les excellents résultats aux différents examens et concours nationaux placent le lycée Henri Silvoz et l'école primaire comilogue EPC parmi les établissements de référence du pays. Une partie de l'élite gabonaise actuelle est issue de ce groupe scolaire. Des offres de formation professionnelle qualifiantes aux métiers du bâtiment et du génie civil ont également été développées en partenariat avec le lycée technique de Moanda à destination de 250 jeunes. Récemment, afin de permettre à 24 jeunes ayant terminé leur formation en génie civil de monter très rapidement en compétences et de lancer leur propre entreprise, la comilogue leur a permis de se former sur le chantier de construction du dispensaire de Ngiasono en terre compactée. Un chantier inédit qui va leur permettre de lancer leur propre entreprise de construction. En 2016, il est apparu évident de former au Gabon l'élite des mineurs du pays. C'est ainsi qu'est né le projet d'école des mines et de la métallurgie à Moanda, financé par Comilogue et l'État gabonais. Chaque année, depuis 2018, une promotion d'une trentaine de cadres gabonais en géosciences, en génie des procédés, en recherche et exploitation minière sort de l'E3MG. Cette belle école est une référence incontournable en matière de formation dans le secteur minier. Pour preuve, sa volonté de s'ouvrir à la sous-région. La Comilogue, une entreprise engagée, citoyenne et contributive.